One loved the soldier, one loved the sailor, and one loved the lad from the marine. Oh, the three little sisters, they were the fairest, from Iceland to the Philippines. So said the soldier, so said the sailor, and so said the lad from the marine. And when the boys marched away, the girls said they'd be true until the boys came back someday. Now the three little sisters, stay home and read their magazine. You can tell it to the soldiers, tell it to the sailors, and tell it to the Marines. Three little sisters, two little sisters of mine, and each one was only in a teen. Ha ha ha. One loved a soldier. Comme nous, vous avez été jeunes et pleins d'insouciance, mais à 20 ans, la liberté est venue vous chercher. Elle est venue vous chercher pour vous dire « Je suis en train de mourir, viens me sauver ». Et vous avez répondu à son appel. Vous vous êtes levé plein de courage et d'ardeur, vous vous êtes entraîné jour après jour pour le jour J, et un matin de juin, vous êtes arrivé comme tous vos camarades, par le ciel et par la mer, et vous avez combattu de toute votre âme d'homme libre et pour notre liberté à nous. Vous avez vu tomber vos camarades sur nos plages et dans nos terres, comme malheureusement à Drogue. Malgré vos blessures et votre chagrin, vous êtes restés combattre à nos côtés. Alors je vous le dis, sage, pour vos 10 camarades dont la jeunesse sacrifiée repose en paix dans le sommeil du juste, nous sommes les enfants qui n'ont pas eu. Et à vous, Sam Isaac, qui, ici, avait offert votre bravoure et vos plus belles années, vous avez rejoint en 1998 vos compagnons d'armes disparus. Je vous dis, nous sommes vos fils et filles de la liberté qui aujourd'hui vous disent merci. Poème to Sam Isaac and his 10 comrades killed in Dreux on the 16th of August 1944. Sam, I came to say thank you and through me, thousands of young people talk to thousands of veterans who are often gone. Like us, you are young and carefree, but at 20 years old, freedom came to get you. It came to get you to say, I'm dying, come save me. And you answered its call. You stand up courageously and ardently. You trained yourself day by day for D-Day. And one June morning, you arrived like all your comrades, by the sky and by the sea, and you fought with all your free man's soul for our freedom. You have seen your comrades fall on the beaches and in our lands, as unfortunately in you. In spite of your woes and your sorrow, you have been fighting at our side. Then I say to you, Sam, for your 10 comrades who sacrificed yours rest in peace in the sleep of the righteous, we are the children they haven't had. And to you, Sam Isaac, who here offered your bravery and your most beautiful years, you joined in 1998 your missing fellow soldiers, I say to you, we are your sons and daughters of freedom who say thank you. Dépôt d'une tiare par l'Association française des collectionneurs de véhicules militaires.
Pottinger par monsieur le maire.
Johnny, please tell me, dear, what makes me love you so? Historien avec traduction en anglais. À la Première Guerre mondiale, le conflit de 1939-1945 a coûté la vie à 60 millions d'êtres humains. Toutes ces vies brisées, toute cette jeunesse massacrée, tous ces talents non exprimés sont intolérables. De cette monstrueuse hécatombe, nous avons relevé le nom de 10 soldats américains. Nous sommes tous ensemble réunis aujourd'hui afin de les honorer. Pour libérer la France opprimée, ils sont venus des États de l'Iowa, du Kentucky, de la Louisiane, du Maryland, du Massachusetts, du Minnesota, de New York, de l'Ohio et du Texas. Ils ont quitté leur famille, subi un dur entraînement, traversé l'Atlantique, débarqué sur les plages normandes, livré de violents combats, délivré de nombreuses villes. La mort les attendait ici le 16 août 1944, à Dreux. Ils sont le prix de la liberté, le prix de notre liberté. Montrons-nous dignes de leur sacrifice et rendons-leur hommage en essayant de construire avec détermination, entêtement et dans la durée un monde en paix. N'oublions pas ceux qui sont tombés. After the 10 million deaths due to the First World War, the 1939-1945 conflict caused the lives of 60 million human beings. All these broken lives, all these youth massacred, all these talents not expressed are unthinkable. Of this monstrous hecatomb, we have noted the names of 10 American soldiers. We are here today to honor them. To free oppressed France, they came from Iowa, Kentucky, Louisiana, Maryland, Massachusetts, Minnesota, New York, Ohio, and Texas. They left their families, endured a hard training, crossed the Atlantic, landed on the Normandy beaches, participated in violent fightings and freed many cities. Death was waiting them on the 16th of August 1944 here in Dreux. They are the price of freedom. Let us show ourselves worthy of the sacrifice and pay tribute to them by trying to build with determination and duration a world in peace. Let us not forget,
sans se refaire. Discours de Monsieur le maire. En ce 16 août 2017, nous sommes ici réunis pour commémorer la date anniversaire de la libération de notre ville par des soldats venus d'outre-Atlantique et qui, pour la plupart, n'avaient jamais foulé le sol français auparavant. En effet, il y a désormais 73 ans, non loin d'ici, les véhicules de la section du lieutenant Sam Isaac du 15e bataillon d'infanterie blindée entraient dans la ville et en chassaient, après une lutte sans merci, les derniers occupants allemands. Ce jour-là fut un grand jour de joie, car la ville était de nouveau libre. Et ce fut aussi pour beaucoup un jour de deuil et de tristesse, car de nombreuses familles drouaises et américaines savaient qu'elles ne reverraient plus jamais un être cher, un conjoint, un proche. C'est pour nous un jour de recueillement, en souvenir de tous ces combattants et ces civils morts pour libérer notre territoire. Qu'ils soient tombés au combat, en camp, ou exécutés lors des représailles exercées par l'occupant, nous n'oublierons jamais leurs souffrances et le sang versé qui nous permettent maintenant de vivre dans un pays libre et en paix. Certains ici présents s'en souviennent. Et je pense particulièrement à Maurice Ravanne ou bien encore à François Maillard, dont le précieux témoignage a été recueilli par Michel Merkel dans un ouvrage intitulé « Le prix de la liberté ». La cérémonie d'aujourd'hui revêt un caractère tout particulier. Je tiens à remercier l'AFCVM et son président, Michel Argence, qui, par ses recherches, a réussi à retrouver l'identité des soldats tués pour notre liberté. Désormais, leurs noms et prénoms sont inscrits dans le marbre de cette plaque en mémoire de leur sacrifice. Ils étaient 10 soldats. James O'Connor, Darrell Kelboom, George Opinkar, Charlie Napier, Edwin Borkwald, Frank Borsari, Edward Dillon, Tuzin Dimare, Edward Dimek, Thomas James. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous avons la chance de recevoir la famille d'Edward Dillon et celle de Tuzin Dimare, ainsi que le frère de Sam Isaac. Merci à eux d'avoir fait le voyage jusqu'à nous. Nous en sommes honorés. Thank you very much to be here today to celebrate with us the liberation of the world. Saluons ceux qui sont encore parmi nous et qui, par leur présence, témoignent auprès des jeunes générations des sacrifices consentis pour que notre pays reste libre. Enfin, je veux saluer particulièrement l'ensemble des associations patriotiques, anciens combattants, porte-drapeaux, résistants et déportés, veuves de guerre ou encore d'unités militaires.
je remercie toutes celles et tous ceux dont l'objet est de conserver la mémoire de celles et de ceux qui sont morts pour la France et qui transmettent le flambeau aux jeunes générations. Nous allons procéder au dépôt de gerbes. Garde à vous! Dépôt d'une gerbe par Monsieur le maire. Nous allons entendre les hymnes américains et français. Garde à vous! Thank you.
porte-drapeau, vous pouvez reposer vos drapeaux. He's such a silly boy. We ain't seen him hide nor hair. But looky there, creepers, jeepers, well I declare, that whistle means Billy Boy is here. Oh, where have you been, Billy Boy, Billy Boy? Oh, oh, where have you been, charming Billy? I've been up the road above, just visiting my love. She's a nice young thing when she cannot leave her mother. Did she ask you to tea, Billy Boy, Billy Boy? Did she ask you to tea, charming Billy? Yes, she asked me into tea, then she sat right down upon my knee. She's a young thing and cannot leave her mother. And she baked a cherry pie in the twinkling of an eye. Is she fitted for your wife? As my pocket for my knife. Did you ask her to wed, Billy Boy, Billy Boy? Did you ask her to wed, charming Billy? Yes, I asked her would she wed, and what do you think she said? I'm a young thing, but I will leave my mother. I love her, but not like a brother. Have you thought of everything? Where's the license? Where's the ring? It is. She's a young thing who's gonna leave her mother.
across the sea, where the man can proudly say, I'm free. We'll be dancing the victory polka. Most of the cemeteries in Northern Europe use the sand that comes off of Omaha Beach. And if there's a mechanical reason, it's because it's a very washed, nice sand, very rough grain, coarse. And then, of course, the symbolic part of it is the fact that they, that's where many of these young men traverse the beaches and come on. Families when they visit, and also every Memorial Day, all these tombs will be adorned with these flags. Merci beaucoup pour... Tout ça, vous ne allez jamais connaître comment apprécier ça. I would appreciate that. How much we appreciate him. We're very sad. Ouais. J'ai entendu mal à traduire aussi, mais elle est particulièrement touchée de tout, de tout le travail qui a été fait, le fait qu'on soit là aujourd'hui avec eux. Son père aurait été super heureux d'être présent aujourd'hui avec nous et de voir ce rassemblement autour de la croix. Grâce à Michel, on connaît maintenant comment il... Grâce à Michel, maintenant, on connaît les circonstances de sa mort. On en sait plus. C'est juste une photo avant. Oui, voilà. C'est du concret. Réel. On touche. Quand c'est, on connaît. Voilà. C'est concret. On connaît.
dit que les hommes meurent deux fois. Parce que la vie a quitté leur corps, la première fois, et la deuxième fois, parce que plus personne ne pense à eux. Donc Franck, eh ben, on est les seuls à penser à lui. Il est donc toujours un peu vivant quelque part. Oui. Good luck. Je te People are dying twice. The first time is when life going out of their body. The second time is it's when no one thinks about them. So we are the only family. I think I speak on behalf of all of us Americans. Il va s'exprimer au nom de tous les Américains présents ici. That there are not enough words to express our gratitude. Je n'ai pas assez de mots pour exprimer ma gratitude. For the kindness. Pour votre gentillesse. The hospitality. Votre hospitalité. And the work. Et votre travail. For welcoming us and also for the work involved in the project. Donc pour votre travail de nous avoir accueillis et tout ce background que vous avez fait pour avoir préparé toutes les sortes. And I've noticed that there are a lot of young people coming to join your organization and continuing your work. Il a remarqué du coup un peu de jeunesse dans l'association. Ils viennent essayer de consolider un peu. I'm going to work with my children, and I think we've talked at lunch today. We're all going to work to try to get our children and their children to continue this work as well. Il va essayer de transmettre du coup un peu ça à ses enfants et essayer vraiment d'inculquer ses valeurs à la jeunesse. I want my children to be here next time. Et la prochaine fois, il essaiera de ramener ses enfants. Merci. Très bien. Merci. Vous savez tout le travail qu'a fait Michel? Non, il n'y a pas que moi. Il y a Jean-Pierre. Jean-Pierre. Très important ce qu'il a fait. Jean-Pierre. Donc, il ne faut pas l'oublier non plus. C'est un grand groupe. Des petites fourmis. Ils ont travaillé pour faire ça. Je pense qu'il faut les remercier aussi. Et puis, sur l'organisation, Michel, vraiment super. Merci. Je pense que tout le monde est d'accord. Tout à fait. Ce que je voudrais dire, c'est que
tout a été fait par un groupe de membres de l'association, et ça a été fait avec le cœur. Et la récompense, c'est notre satisfaction, et voilà, ça nous, on est récompensé. Voilà, c'est pas de soucis. Et le fait, au début de nos recherches, on se connaissait pas, et moi je dis, on est devenus des amis. Et même quand vous repartirez aux États-Unis, nous continuerons à honorer vos aïeux dans les cimetières, il n'y a aucun souci. On est vraiment. Non, fonctionne, c'est du sentiment, il n'y a pas. When we started the research, we didn't know you, but now I think we're all friends and we really appreciate that. And we hope that we are going to keep a link together and connection. Et toute l'association fonctionne comme ça, c'est le cœur qui. Voilà. C'est évident. On a un projet et voilà, on fonctionne comme ça, il n'y a pas de. Voilà. It's how we like on est content d'avoir réussi United, à arriver au bout de nos recherches et de vous recevoir et que vous soyez heureux. Et voilà, ça me suffit. Il n'y a pas de. The fact that you're happy and that you really enjoy your stay, it's everything that makes us happy. This is just fun. Merci. Merci. You want to say something? Yeah. Oh, I'd like to say a lot, but go ahead. No, I'm like just what you said. You know, say it in your words. I'm just so thankful that we had the opportunity to come here to see our uncle where he was and my daddy's first cousin. And it's such an honor to be able to do that. My daddy he's so happy now. He knows we were there. He's in heaven. He knows we did that. And it's just and to Lemoni c'est comme notre famille. Ça c'est ma soeur. C'est la mienne aussi. Tata Jojo. Et puis. Loulou la hantaise. We would love for all of y'all to come to see us. Elle est très heureuse d'avoir participé à toutes nos activités, d'avoir pu voir ses parents, qui font partie de sa famille dans le cimetière. Ça l'a beaucoup ému. Elle considère tous comme une famille maintenant et elle aimerait bien qu'ils viennent tous la voir chez elle aux États-Unis. On pourrait parler d'eux. Avec les deux canards, ça devrait le faire. On n'est pas en surpoids, chef. Il va falloir qu'on maigrisse. Au bout, on va avoir maigri. Hein. Surtout si on sort les rames. Hein. Thank you.
the freedom that you love as much. Rien de son oncle jusqu'à ce qu'on partage avec elle le travail qu'on a fait, et elle est vraiment grateful, elle est vraiment reconnaissante de notre travail, et ça la touche profondément, et elle n'oubliera jamais ce qu'elle a vécu. On est tous cinglés. And I'd like for you to come to Oklahoma and go to a football game with me and cheer my team on, because I think we would win for sure if you all came. But seriously. Du coup, elle aimerait bien qu'on aille la voir dans la main pour que elle nous accueille bien et qu'on montre un peu, elle montre un peu comment ça se passe là-bas et un peu. But I also, we didn't know what happened. Pleased to know that the 10 men died for your freedom, but for the world's freedom. And I've gotten to feel like we're all brothers and sisters in this, and I hope you continue the work and that we can be involved in some way. Hopefully we'll keep in touch. Some of us have already exchanged emails and phone numbers and so forth, so I hope we can all keep in touch. And I'd just like to wrap Valerie and Hadrian up and take them home with me. So, but I have a pool, so come on to Oklahoma, we'll go swimming. It's a modest gift from all the association. Modest cadeau, il n'y a pas de. Voilà, c'est juste pour ça. It's a little cap with the color of the association. I love it, I love it. Je vais rien dire. C'est un association. Oui, mais en tout cas, le cœur, il n'y a pas de. Ok, merci beaucoup, elle a mis les noms, je crois. Non, j'ai pas entendu. C'est bon. Tu fais partie de l'association. Merci beaucoup. Et pourquoi t'as dit ça? Je vais. C'est pas sympa de faire travailler Michel à mon samedi soir à 3h15. Franchement, là, vous nous abusez. Moi, je fais les heures du sol aussi. C'est limite. Parce que les limites, là, c'est d'exploitation. Merci. C'est l'association qui vous offre ces petits cadeaux. C'est avec le cœur et c'est pour vous. C'est un modeste gift pour tous. Merci. All of us. That's all you have to say.